marché du carbone en fait. Le marché du carbone. Les écoles. C'est ici qu'on peut développer même l'écotourisme. C'est quoi c'est comme quoi toi là? Écoute, c'est le vin de palmier. C'est le palmier, ça c'est le bon vin. C'est naturel. C'est naturel. C'est très naturel. Je peux t'envoyer bien de boire les bières, les whisky. Ah, c'est ça, super. C'est... Mais ne suis pas le sucré là. C'est bien, Si tu suis la sucrerie. Wow. Donc c'est là comme ça, c'est combien? C'est 1500 la bouteille. 1 litre. Un litre et demi. Non. Le sucre. Non, il n'y a pas de sucre, il y a que le sucre. Avec le bois. Là, il n'y a seulement que le fer. Là, il n'y a que le fer. Il n'y a que le fer, le solide. Non, c'est bon, ça va. J'ai vu ça étant jeune. En fait. Ah, d'accord. Tu as goûté? Oui, j'ai goûté, oui. Goûté. Une ou deux? Non, c'est bon, deux. Vous partez avec? Oui. On fait des milliers de kilomètres pour enfin trouver notre legme et l'huile de... Ça comment ça? Le vin de palme. Ça, le vin de palme. Et chez nous, le legme, c'est le même principe et le même goût. Et la même fermentation. C'est-à-dire qu'on va rencontrer ça. Les problèmes qu'ils ont eus, les moteurs qu'ils ont transporté de legme dans leur voiture et que ça a explosé. Le goût varie. Ma mère a mis la bouche à du goût. Non, c'est mort. Mon vieux, à Tunis. À Tunis. Dire parce que c'est la première fois que je suis au Gabon. D'accord. Les Gabonais sont très gentils, ils sont très éloquents, ils sont très polis. C'est très bien. Et très bien. La bouffe, tout ça, et j'adore. J'adore. C'est gentil. Pour moi, c'est une découverte. C'est gentil. Encore mieux que ce bar populaire. D'accord. Comme moi, beaucoup en Tunisie. Je voulais vous citer pour ça. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez, vous avez la preuve que le Gabon, c'est un pays de paix, un pays accueillant, un pays sans histoire, un pays où on a toujours reçu nos frères qui avaient besoin de venir découvrir ce qui se passe ici. Et bien, on va toujours dire à nos frères, venez, venez et venez, parce que le Gabon, c'est un pays accueillant. Parce que les médias, ils mentent. Voilà. Les médias... Et surtout les médias, ils nous montrent une image très négative d'un pays qui est le meilleur ou l'un des meilleurs pays de l'Afrique centrale. D'accord. Bon, effectivement, ce qui me fait plaisir, c'est que vous êtes tunisien, c'est la première fois que vous arrivez au Gabon. Merci beaucoup. Vous avez la preuve de ce que les gens racontent qui n'est pas vrai. Absolument. On ne se connaît pas et le courant passe comme si on se connaissait depuis des années. C'est un peu ça la spécificité gabonaise. Nous sommes un pays aimable, accueillant. Et
un pays très poli, un pays très beau. Très beau. Avec beaucoup de richesses. Avec beaucoup de richesses. Ouais. La première richesse, c'est vous. D'accord, c'est l'homme. C'est l'homme. Tout à fait. Et je vous félicite pour votre transition. Je vous espère bonne chance parce que le pays va dans le bon sens maintenant. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, ça fait plaisir de savoir qu'un Tunisien nous souhaite beaucoup de chance dans ce qui va se passer dans les prochaines années pour le pays, c'est-à-dire une transition apaisée et réussie. Et nous n'en doutons pas un seul instant que cela se passera sans aucune difficulté parce que nous sommes également un pays où Dieu a jeté un regard. C'est un pays béni. C'est très, très important. Moi, j'ai remarqué que c'est un pays pieux. Tout le monde était très. Il y avait beaucoup de foi, beaucoup de, comment dire, de relations avec, avec le Seigneur. Donc, que Dieu vous bénisse encore une fois. Je vous en prie, mon frère. Et revenez quand vous venez. Hein. Vous passez plus de temps. Je vais revenir. Nos frères vont peut-être vous amener à Ngondje, au Cap des Pères, au Cap Santa Clara, au PK27, au PK9. Amenez-le aussi dans les Matiti. Hein, les quartiers sous-intégrés. Vous allez voir que là-bas, il y a une vie. Et les gens seront très heureux de vous accueillir. Quoi. Voilà. Si, bien sûr. J'étais en Zaïon. Moi, j'habitais en Zaïon. Et moi, si j'habitais là ? Mais justement, le visage. Moi, j'habitais chez Pedro. Moi, je suis petit peu les Pedro. Pedro, c'est qui ? À côté de chez le magistrat. Chez Snake. Chez le Snake. Chez Snake. Chez... Thank you.